Mais il faut voir que 6 mois à présent, Félix Tshisekedi, ils allaient 6 mois à espoir, ils allaient 6 mois à renaissance, ils allaient 6 mois à renouveau, à nouveau départ. Bitumba mi balé, auto baniko bunda lelo, nakata régime yo, yangoana. Pour foyer te lobio molekaki, nous étions en face d'un régime. Oh, a commencé avec corruption, un système. Je suis d'avis que nos amis de la Mouka doivent manifester. Je suis d'avis. En tant qu'un ancien opposant, nous avons marché dans ce pays. Mais, bah, marche la bisoum, il faut à un certain moment et respecter les principes vitaux de la République. Mingi bandeko balandi ya Congo Millennium tozongi susu na tina ko kosola na bino na maitali actualité politique ya mboka na biso yango wana tozongi pe tokozonga toujours pona ko informe bino Ines Tumba toujours pona bino et puis ndeko Jirase Mwanda na sima ya bilili bozali kolanda yango wana na kopesa na mboti na ye moko le grand initiateur ya Congo Millennium monsieur Ricky Dibanza mboti na yo vraiment bipa yo zami mboti pe na maman Jolie Dibanza la femme verte dorée de notre initiateur du Congo Millennium et Nakobo Sanate, des collègues Longelo, puis pas les monuments de Bundes, sans oublier le roi de Gaulle, le cœur seul, cher, il y a reine Agnès, voilà, sans oublier Pebino Baibola, Narabiso Mingi Mingi, vraiment les solo, Trobe Talelo, Torosola, on a moi en Boga Elvis Bolongo, Yende vraiment, Kopé Sepso Biano, Mituna, Otozanango, Lelo, Botena, mon en Boga. Botendeko. Santé, mon en DJ Zamalam. Zamma, Sola. Vraiment. En tout cas, souci Zamakas dans le monde politique, Otozanango, Lelo, classe politique et RDC, on ne sait plus où on va, et puis, Nani, vraiment à maîtriser la population, tout espoir de vivre et pas y en a. D'abord, il faut qu'il y ait Bakin, moteur qui peut être espoir, il y a qu'on vivre pour être dans le monde. Même à ta lobby, Mokoya, ceux qui m'ont dit que Félix Tshisekedi est sous-président, même moteur qui est président, le problème est Congo et aussi la tête qui est toujours. Mais pour nous qui avons cru en Dieu, ba passe na biso ba souci na biso to bonzela ngo tata nzambe. Mais na kati ya gouvernance ya mboka, il y a une part ya responsabilité. Il y a ko bunda pona bolamu ya peuple congolais. Eza mosalo mokonzi ya mboka ya mboka ko sala. Donc, il faut ko eza un espoir lobby mokoya bitumbo donc ko bunda na kati ya gouvernance lelo et ko pesa ba fruit mboka ko kende malamu mingi. To tu ko zo bokonzi même pas 7 mois. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, malembe, malembe, peuple d'Abisso a recouvré espoir, la dignité naïe. Mais le quoi ma kasi, toli qui était, lobby mokoya, ma kambou mensonge et aucun de ma lame, pour être beau konzo, toi en angolelo, et zali beau konzo, et zali, kocha, souci à peuple, pas si naïe, na, au bien le poto, au centre de toutes les préoccupations possibles. Yangwana, peuple d'Abisso, a zan intérêt mingi, Azanako, Nzimete, Lobby, Mboko et Mbongwana et Solo et Kota Namboka. Mais souci, les amis, quand le peuple wana lelo oyo, baza géré na bino ba politique. Kaka peuple wana ne baza exposé bazo koufa kaka peuple wana. Ba koufa. Bazo koufa na ka ya ba marché ba soulèvement au bino bozali ko exposé bango. Non. Tu ko landa. Allez. Na tuna na moto na tu ko landa mai oyo de ko Gistin Kabuya a lobaki bongo ezaki lokola message avertissement azo lancer na bandeko ya la muka il faut aux la claire parce que na discours na ya précisé ki. Pona ko lobate o a côté maliboso ya président Félix po te biso robuna pona ikino na suka ya musala na ye kasi ba ba ko tele pona ko bundisa etoko sa charger na bango ezala na ba armement toko sa armé po ba militants na biso ba ye bandeni ya ko intercaler bango nzela là il a dressé ces mots là na bande ko ya la muka sala est fort FCC cash la muka bitumba wana na ezali ninyo juste na lingio sala makasi okuta na mwana mboka Martin c'est qui encore Augustin Kabuya, vous posez ma question. Vous ne pouvez pas me poser à moi des questions. Oyo Motomosu soit lobby. N'a porté parole, n'a été. Mais moi, je pense que
lelo yo il faut qu'on ébete tozali na bokondi oh il faut tout mis ce peuple congolais tout accompagner yango soki lelo to bandi ko luka troubles en mboka awa okomonete en lieu place totongo école totongo hôpital mbongo wala eko kende na maintien ordre public yango wala peuple la biso azali na obligation. Il y a quoi accompagner le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi pour être un bon gars dans le solo. Il y a quoi dans le Congo et qu'il y a quoi dans le Zéla Wana. Mais il y a des gens qui ont maîtrisé la population. Il y a quoi qu'il y a et qu'il y a apporté un plus. Si on a un jour, il y a quoi dans le Zéla Wana. Il y a quoi dans le Zéla Wana. Mais il y a quoi dans le Zéla Wana. Il y a quoi dans le Zéla Wana. Il y a mais tant que il y a Congo va continuer à schéma wana biso to observer bango mais tozali lelo na logique ya ko sala été kimi na mboka Congo ezala sur l'ensemble du territoire national pour être soki kimi zalité ba investisseur ba ko na mboko te to na posete ba bilenge basi pe mibali bazwa misala. Bakoki ozwa misala wana kaka soki mboka ya na kimia. Kimia ko uta lobby wapi. Manani bako che kimia wana. Kimia ko chama na batu bako sala ka marche à tout moment. Est-ce que lelo nécessite de sala marche na mboko ezali? Nous avons un pouvoir établi constitutionnellement ko sala marche na nzela pour apporter le konini. Yango na ko lobete toi na besoin de kimia. Kimia ne ko sala ki ba investisseur baya bacha misolo misala ezala créer bilenge basi pe mibali bazwa misala bakoma la capacité ya kofuta ba taxe na ba impôt bazwa en charge ba famille na bango mboka na biso kende liboso souci na biso yangwana yangwana mokonza mboka na politique na ye alobete sécurité et cause la primordiale au moni tourno mokonza mboka ko to ko sala azaki na zambi lelo yo il faut boye bete mbongo na solo a Congo et ko leka na sécurité. Il y a intégrité territoriale à Bisson. Les lots m'ont dit Mboka, na kati ya politique, na diplomatique. A koutani na ba pays voisin, moko na moko. A solo na bango. Et puis pour qu'on Mboka comprendre, toko salete, na lolengo yo, ba frontière na Bissona, to géré ango. Mboka loko la Rwanda, a tato bundi na bango. Mais bas toko sala, nous sommes condamnés à rester avec eux. Nous serons des voisins. Jusqu'à ce que le bon Dieu arrivera. Alors, en lieu et place de nous faire la guerre, tout yokana, yangwana bandi te na mokolo alelo, et koza le sengo mingi to pesa mokonzi mboka chance, yako accomplir vision, pe rêve o azo na mopo na mboka ya Congo, bitumba ko fingana, et ko kiso ki mokete ko beba mbongo na kati mboka na biso. Mokonzi mboka na souci, yako sécurise peuple Congo na bilo konae, kasi pe. Mboka mo bimba na ba frontière ngose la sécurité pour topé sa chance na ba congolais ba recouvrir dignité humaine na bango topé sa chance na ba congolais ba sala ba travailler Congo et kende liboso bandi ko bazaki tout nepso motuna. Qu'est-ce que le président a déjà fait de concret au ko permettre social ba il a déjà stable parce que tout le temps il a ko négocier ko tia kimia na bandi ko msusu ya libanda mais awa na kati ya mboka bandi ko bazoku fanzala il faut ko ebete. Mokonzi ya mboka na souci ya ko bunda pe banda ki ya ko bunda pour la société peuple congolais mais social les peuples congolais ils allaient résumer na li pato na kwangate le soin de santé décent font partie du social. Le route que vous voyez que nous sommes en train de réhabiliter, de réfectionner, de réouverture font partie du social. L'accès à l'eau potable fait partie du social. L'éducation nationale fait partie du social. Et je crois que vous devez prendre patience. Le chef de l'État sait exactement ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, dans la ville province de Kinshasa et dans certaines provinces du pays, nous avons réhabilité pas mal de routes. Nous avons réfectionné bien d'écoles. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui sont réfectionnés. Le chef de l'État, dans sa politique sanitaire, a fait en sorte que nos militaires, nos forces armées puissent avoir accès aux soins de santé décents gratuitement. Ça, c'est une avancée significative sur le plan du social. Et je crois que pour l'instant, le chef de l'État n'a à peine fait que 6 mois. Donnons-lui la chance, dans les jours qui viennent,
avec la ferme volonté que nous avons, je suis convaincu et persuadé que les choses iront de l'avant. Le chef de l'État n'a malouvanaye à l'obaki à cause là vraiment coïmité de co Joseph Kabila. Et madame Nino Joseph Kabila à la question d'un peuple congolais, à celle d'un peuple congolais, pour aller là, de quoi Félix Mokondiambo, la République démocratique du Congo, Azala, Azoua, comme référence, naïe, M. Joseph Kabila. Écoutez, Mokondiambo, à tirer la cause, jamais, mais c'est Kabila comme référence. Ou à les compréhension, naïon. Et là, que Zali a sauvé le de quoi Kabila, à comprendre qui est le peuple congolais, à debout, peuple congolais, au résident, na souka, de quoi Kabila comprend, en gros. C'est pas là qui passe, tu dis que non, mais c'est Kabila comprendre que c'est fini pour lui. Il faut qu'il se repose. Là, partout dans le monde entier, va reconnaître en gros, que depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour la première fois, alternance politique au sommet de l'État est pacifique. Et ça, là, c'est allé en Guana. La meilleure chose, oh, il y a sali comme ça. À salité, c'est allé en Guana, il y a son. Opposition comme majorité à qui font la mission nyonson. Mais fort, il y a ma casse, c'est le peuple congolais. Mon Kondiambouka yambotika qu'on ne va jamais que Kabila sa référence pour naïve. Président Tshisekedi wa Mulumba. Non, excusez-moi, président Félix Tshisekedi, référence naïve, et Zali les valeurs. C'est un homme qui s'est battu pour défendre les valeurs. Et c'est un homme des valeurs. Le chef de l'État l'a toujours dit. Qu'il faut que ça ait été Congo comme un état de droit. Mboka oyo mi beko za respecté na batu nyonso. Oza gouverneur, oza député, oza sentinelle. Biso ba soto respecté mi beko. Visuel mo konza mboka yangwana de faire de la RDC un état de droit. Lobby partout la ville à Kinshasa, il y avait des prisons privées. Ce qu'on critiquait moutou. Bazu bakangyo ba boki okuna. Le lo mo konza mboka a silisi yango. Le lo la mboka Congo, les manifestations publiques. Et comme il y a la main, la police est là pour sécuriser. C'est grâce au président de la République actuelle. Sous Kabila, on ne pouvait pas manifester comme ça. Les lois, quand les opposants tiennent leur meeting, ils ont le canard TNT. Hier, ça ne passait pas. Les prisonniers politiques, les prisonniers, les exilés politiques, les lois, Mokwan Zamboka, à permettre Bango, Monsieur Zamboka, la libérer. Oh, bah, ça, qui ne force pas qu'il y ait un exil. Bah, son, il y a un Zamboka. C'est un plus. Vous pouvez critiquer le chef de l'État comme vous voulez. Personne ne va vous arrêter. Il faut croire. Il faut que nous puissions tous se mettre d'accord que le chef de l'État aujourd'hui est en train de travailler dans le sens de faire en sorte que la RDC redevienne une véritable république où les textes sont le véritable instrument de la gouvernance. Des écoles sont réfectionnées. Ça, ils allaient le logo qu'on accepte. Toi, la volonté politique. Ce qui, peuple congolais, a accompagné Bokondiambo, la Moga Félix, et toi, tu sais qu'il y a des gens qui ont fait tout ça. Il faut y aller. Toi, tu as besoin du peuple congolais accompagner Bokondiambo parce que le peuple congolais, surtout sa jeunesse, Bokondiambo, président Félix, est dans le long. Ils allaient fouiller à Bilengo Babundaki. Il faut Bilengo là-bas, là-bas, se retrouver. Il y a un moment où il y a un peu de présent Félix Tshisekedi. Tu allais voir comme un sentinelle. Papa Félix, le bac est non. Au conseil à Boué, tout ça pour rappeler en gros. Et puis, mon Konzambo, quand on a souci à comment la Bilengo à Congo, base là-bas, acteur dans le développement, Bitumbo de Robundaye, solo Mikolo, ils allaient te, il y a qu'on rappelait mon Konzambo. Le problème est ma jeune Congolais. Le problème est le peuple congolais, pour être mon Konzambo, sous qui ça mis. Qu'il y a 5 ans, à quoi apporter et le permettre à Pepe Abisson à mener vieux et cause là, moi malade par rapport à lobby. Mais il faut y que 6 mois à présent, Félix Tshisekedi, ils allaient 6 mois à espoir, ils allaient 6 mois à renaissance, ils allaient 6 mois à renouveau, à nouveau départ. Là, quand on a un peuple qui a besoin de basson, de soutenir beaucoup de gens à Félix. Qu'on soutenir beaucoup de gens à Félix, c'est qu'on a accepté payer taxes dans impôts pour te permettre dans l'état de Bissot à Zouamiso le Bela financer politique naé à Tonga Bécol à Tonga Banzela peuple zanga li pana maïté. Mais les sous-sous Bissot ba inquiète on a quatre abokondi peu le rôle de président Félix to koza apno ko selete osa DG à DGI osa DG à DGRAD osa la parcelle d'autorité osa ministre
tokozala comme sentinelle mbongo ya trésor public ezala wana pona ko servir peuple congolais bitumba mi balé oto bani ko bunda lelo na kati ya régime oyo yango wana po foye bete lobio molekaki nous étions en face d'un régime où a commencé qui corruption un système et le chef de l'état Albert, il faut qu'on déboulonne le système, créer une rupture en termes de gouvernance, créer une rupture en termes de la philosophie politique. Yangwala biso lelo, donc vous comprenez mon conseil. Mboka, pour être peuple congolais, azala dorénavant debout, mboka na biso kende liboso. Vraiment, ce qui te reloba le Cambo état des droits, parce que c'est une initiative où mon connaissant que Félix a été instauré, parce qu'avant il n'y en avait pas. Alors, bande de ça la marche, c'est ça parce que Bazo revendiqué Bango Baye, Bito, P.O., Bango Bamoni, Malam, Bazo revendiqué, on a voix, il y a ma marche. Alors, je ne vois pas, Mabe et Zawapi, parce que bande de quoi, UDPS Bazo réagir par rapport, il y a un acte, topé maloba, oh, il y a bande de quoi, la mouka, Bazo koloba. Alors, ce qui est en état des droits, Moutaza libre à s'exprimer comme il veut. Ok, il faut que vous ayez un état de droit, vous avez la liberté de s'exprimer dans le monde, mais la liberté est là, et vous avez la liberté d'acheter et d'affreindre la liberté de la liberté. Autant que vous avez le droit de manifester, autant que moi, qui refuserai de manifester avec vous, j'ai le droit de vivre dans la tranquillité. Le problème est Zalinine. Nous avons une autorité compétente. Dans un état de droit, il faut. Pour ça, la marche, vous informer l'autorité compétente. Tant que vous informez l'autorité compétente, il faut apprendre acte. Pour prendre acte, et qu'on peut s'appeler à Ningisa pour ça, la marche, et qu'on peut s'appeler à Ningisa, dans l'autorité compétente, à instruire le service, à encadrer la marche, pour maintenir l'ordre public. Ce qui va proposer une date, par rapport à la date, il faut que vous dites ma paix. C'est aussi ça l'état des droits. Le tel de droit, c'est aussi de respecter le texte que rejoint la société. Le tel de droit, c'est aussi le fait de respecter les autorités du pays, les institutions établies. Nous ne pouvons pas commencer à jeter de l'opprobre à nos institutions. Nous devons être des hommes et des femmes qui respectent et qui défendent les institutions du pays. Le maintien de l'ordre public, c'est une obsession pour le pouvoir public. Le loyo, ce qui marche la bune pour perturber l'ordre public. Au nom, il y a contrainte physique. Au nom, il y a monopole, il y a violence physique. L'État, ça, a coquille que proposer bino, pour ça, la marche, pour être ordre public, et ça, le socle, il y a existence, il y a peuple à la bison. Imaginez ce que vous avez dit, il y a un bétio, le coffre, c'est la jungle. Les loyaux, tout ça, c'est biso banso. Topé sa ba violence na biso, na Léviathan, y a géré biso, a garantir biso paix au retour. Il faut tout respecter paix, un certain nombre de principes. Oh Léviathan, paix si biso. Nous ne sommes pas dans une jungle où vous pouvez vous permettre de faire de n'importe quoi. Nous sommes dans une république. Respectons-la, respectons ses exigences. La République ira de l'avant. Je suis d'avis que nos amis de la Mouka doivent manifester. Je suis d'avis. En tant qu'un ancien opposant, nous avons marché dans ce pays. Mais la marche la bisoum, il faut à un certain moment et respecter les principes vitaux de la République. Vous parlez de principes, mais quand vous expliquez, il y a un opposant qui a été en 30 juin. Alors, dans 2005, oui, dans 2005, tout ça a été. La différence, c'est pas ça le problème. Ou bien, quand le président Bemba arrive, c'est le un opposant qui est maintenant au pouvoir ou bien. Bon, moi, là, qui est président de la République, à Kenda qui est dans l'hôpital à Kandeur, pour visiter les policiers tabassés par les manifestants. Ça, nous ne pouvons pas applaudir. C'est pourquoi les 30 civils. Non. Nous ne pouvons pas accepter que les civils puissent s'en prendre aux forces de nos armées. Tenir la police, c'est une tenue à fierté nationale. Nous ne pouvons pas admettre qu'un individu veut toucher un militaire, qu'un individu veut toucher un policier. Non, ça c'est inacceptable. Et ça, même quand nous étions dans l'opposition, de tels actes, nous les avions toujours condamnés. Marche, il fallait ça à Mamokolo Moussous et non le 30 juin. Ils avaient le choix de le faire. Ils avaient le choix. Dans une république, madame, vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Dans une république, les choses doivent se faire d'une manière ordonnée. Il y a un pouvoir établi.
constitutionnellement. Quand on vous dit de ne pas manifester, mais bien, la moindre des choses consistera à écouter, à comprendre. Nous ne sommes pas dans une jungle où n'importe qui vient, il peut faire sa loi. Non, nous sommes dans une république. Une république a ses exigences. Une république a des fondamentaux. Une république, c'est le socle de l'existence d'un état de droit. C'est là où les textes sont respectés. Dans une république, c'est là où le chef de l'État est élu, effectivement, par les souverains primaires. Et le souverain primaire est appelé ici à pouvoir respecter. Est-ce que le président, de la République va répondre à la demande et à l'être et à Ndeko Fayulu? Aujourd'hui, c'est inopportun. Le plus important aujourd'hui, c'est de mettre des institutions en place pour faire avancer la République. Nous demandons à M. Martin Fayulu de faire une opposition républicaine. Aujourd'hui, la haine, la violence, l'égoïsme ne permettront pas à cette République d'avancer. Nous avons besoin des Congolais qui aujourd'hui qui sont dans l'opposition de pouvoir faire une opposition républicaine pour permettre à ce pays d'avancer. Ça voudrait dire aujourd'hui, nous voulons que M. Fayulu fasse des contre-propositions par rapport à l'action du chef de l'État. Nous voulons que M. Fayulu fasse des contre-propositions par rapport aux orientations gouvernementales que nous comptons prendre dans les jours qui viennent. Nous voulons voir M. Fayulu faire des contre-propositions par rapport à la manière d'opérer un certain nombre de choix en termes de gouvernance du chef de l'État. Nous ne voulons pas rester en face des hommes et des femmes qui, au jour comme la nuit, distillent de messages haineux, insultent le chef de l'État comme s'il ne représentait rien. Non, ça, on est en désaccord. Nous voulons construire une république et une république ne peut être construite que par les valeurs que prône aujourd'hui le chef de l'État. Monsieur Moïse Katumbi peut aujourd'hui abandonner ou alors sortir de la Mouka et rejoindre la FCCK? C'est ses convictions, je ne peux rien dire. Ce serait possible de travailler avec le président Félix? Je ne peux rien dire, ça dépend de ses convictions. Le chef de l'État a besoin de travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, si le chef de l'État estime que X peut nous apporter un plus, ça ne pose aucun problème. Si M. Martin Fayulu, si M. Moïse Katumbi estime rejoindre le chef de l'État... Monsieur Martin Fayulu a déjà envoyé une lettre qui demande... Non, nous rejetons cette proposition, elle est infondée, elle est irréfléchie. Ça va? Pourquoi? Parce que les choses reprises dans cette correspondance ne favorisent pas l'émergence d'une démocratie, l'émergence d'une république. Aujourd'hui, nous pensons ceux qui veulent bien rejoindre le chef de l'État peuvent le faire en respectant l'autorité établie, en respectant le texte qui rejoint l'État. Parce que ce que nous avons de fondamentaux, c'est la République que nous avons héritée de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas permettre à ce que les gens continuent, jour comme la nuit, jeter de l'opprobre aux institutions du pays. Un minimum de respect s'impose à ces institutions. Merci beaucoup à vous, M. Elvis. Un dernier mot adressé à la population. Il y a la même population là qu'on estime de la Mouka et des Ludepès. Donc, un dernier mot de confiance. Le dernier mot, je voudrais ici appeler tous les Congolais de soutenir la vision politique du président de la République, mais plus particulièrement à la jeunesse. Je voudrais leur dire, l'alternance politique que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit du combat mené par vous, les jeunes. Souvenez-vous de Rossi Chimanga, souvenez-vous de Thérèse Kapangala, et j'en passe, pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse de mon pays doit absolument soutenir la gouvernance du président de la République. Parce que le chef de l'État rêve de faire de la jeunesse congolaise un véritable acteur du développement. Pour ce faire, nous voulons que le jeune puisse prendre part à cette gouvernance. Nous voulons que le jeune puisse soutenir davantage cette gouvernance pour que vos problèmes soient puissent rencontrer des solutions adéquates de la part de la gouvernance. Nous avons tous intérêt à être ensemble parce que nous n'avons que ce grand Congo. Et le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est notre dénominateur commun. Les insultes, la haine, la division ne pourront pas nous faire avancer. La paix, l'unité dans la diversité fera en sorte que demain nous soyons un peuple fort au cœur de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Elvis. En tout cas, je crois que c'en est fini pour aujourd'hui. On pourra vous retrouver plus prochainement. Merci, je suis là disponible à tout moment.
Merci à tous les téléspectateurs Bandeko Basu, vraiment chance en Landabiso. Merci Nabino Nabandaboyo qui vous allez vraiment makanisamo na mboka vis nde na isika wana to kokabona Nabino mais pour permettre nga na remercier aussi le grand initiateur de Congo Millennium monsieur Ricky Dibanz. À ses côtés, j'ai toujours remarqué la présence de la première dame madame Jolie Dibanz, la pomme verte dorée de notre grand initiateur. Je salue aussi monsieur Lynx Longuelo, le monument de Bundesi. Et déjà, je salue encore le roi des Gaules, le cœur cher à la reine Agnès.